Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Voilà, j'ai enfin terminé il m'en reste 2-3 à terminer, mes faire-part. Voilà, mais ils sont finalisés, ça y est. Donc comme promis, je vais vous montrer comment ils sont, parce que j'ai encore changé quelques petites choses. Comme vous savez, bon, nous les scrappeuses, hein, on est toujours on pense à un truc et puis une fois qu'on le fait, ben on rechange, voilà, toujours. Et du coup, j'ai rechangé un peu, je les ai fait un peu plus légers, pas en poids, mais je veux dire dans le visuel, voilà. Et là, du coup, il y en a à peu près une trentaine qui ont été faits. Et alors je vais vous montrer un peu. Fifi, si tu veux bouger 2 secondes, tu viendras dire bonjour après. Alors, je vais bouger la caméra pour vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà tout ce que j'ai fait. Oui. Là. Et là, ce sont les petits derniers qui sont pour ainsi dire finis. Il me reste plus qu'à finaliser l'intérieur, à coller l'intérieur, c'est tout. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai fait. Voilà, et ça c'est grosse mémère qui m'embête et qui va pas aller mettre son nez sur mes faire-part, sinon elle va m'en prendre ses fesses. Voilà, allez, bouge. Allez, bouge. Non, voilà, me revoici. Alors, j'aurais dû reprendre l'ancien modèle, mais bon, ça fait rien. Alors, vous rappelez, l'ancien modèle, j'en ai un là, je crois. Déjà, enfin, j'avais mis un gros ruban, voilà, un plus gros ruban, comme ceci. Donc là, il m'en restait 3 avec le gros ruban, mais je ne les ai pas jetés. Hein. Donc là, ceux-là iront à des personnes qui ne sont pas invitées, mais que, à qui j'envoie quand même un faire-part pour prévenir, juste pour leur dire qu'on se marie. Voilà. Donc, ils auront le gros ruban. Mais bon, c'est rien. Et vous rappelez, le papillon, du coup, était collé sur le ruban. Et du coup, ça faisait trop gros. Donc là, maintenant, voilà comment j'ai fait. Alors, j'ai fait d'abord ici, il était un peu plus grand, j'avais fait le modèle au-dessus, donc j'ai coupé plus petit. Alors, le papier brillant, le papier en turquoise brillant, j'ai coupé dans le dies de la taille du dessous, et du coup, le noir également. Comme ça, c'était plus petit, c'était beaucoup plus joli. Voilà. Alors, le tampon, bien sûr. Je l'ai fait en embossage avec la poudre embossée Easy Ink couleur or. Voilà. Le ruban, donc voilà, voyez ce que je vous disais, j'ai mis un ruban plus fin. Alors est-ce que je l'ai ici? Oui. Donc j'ai mis celui-ci. Alors c'est un ruban de satin. Voilà. Voilà, je vous montre. Donc j'avais acheté 2 rouleaux de 10 mètres et du coup j'en ai eu assez avec un cette fois-ci. Fifi, bouge s'il te plaît. Non, la caméra. Oh là là. Voilà. Et donc j'ai fermé avec un petit nœud, voyez, comme ceci. Donc ça fait le tour. Donc, voilà. Je mets ma main en bas parce qu'il y a mon adresse. Et derrière j'ai refait une petite découpe en pliant. C'est juste comme ça, et en même temps ça me permet de que le ruban ne part pas. Il est collé, hein, mais comme ça je suis sûre que le ruban ne part pas. Voilà. Donc en bas il y a mes coordonnées pour les personnes qu'elles puissent nous écrire ou nous téléphoner. Voilà. Ça je vais vous montrer après ce que c'est. Je reviens sur le devant. Donc la carte blanche, ce sont les cartes de chez Action, hein, vous rappelez, c'est des petites cartes qui font 10 sur 14, je crois.
Voilà, 10, 10 sur 12. Donc, que j'ai embossé avec un classeur d'embossage qui fait des, voilà, ces petits ronds. Ici, j'ai collé donc trois petites perles, les toutes mini, c'est des perles d'action aussi, hein, les demi-perles tout collantes. Au niveau du papillon, alors papillon, j'ai changé une chose aussi. Rappelez-vous, j'avais, bon, pas celui dessus, dessus c'est toujours la même chose. Hein, c'est le papier dans une feuille de scrap. Donc le papillon avec ses petits trous hein, que j'ai. Mais par contre, je galérais à mort pour faire la même chose avec le papier autocollant brillant en dessous. J'en avais fait un et j'ai galéré pour enlever tous les petits trous, ça me prenait la tête. Donc j'ai pris mon dies qui faisait les papillons entiers, voilà, comme ça. Montre, voilà, et en fin de compte ça fait beaucoup mieux puisque du coup comme ça on voit à travers le premier papillon, on voit le papier brillant et c'est beaucoup mieux. Mon chouchou a préféré 100 fois mieux comme ça que d'avoir le papillon en dessous aussi avec tous les trous, voilà. Donc comme ça, ça fait en 3D. Et dans le corps du papillon, j'ai mis une demi-perle en forme de cœur, donc blanc. Voilà. Et du coup, là, ça a été beaucoup plus vite à faire, à coller. Voilà, donc c'est collé, entre les deux papillons, j'ai collé avec un petit carré de mousse 3D. Voilà, pour qu'il y ait encore un peu plus de relief. Donc voilà pour le devant. L'intérieur maintenant. Je vous montre l'intérieur. Alors ça s'ouvre comme ceci, bien sûr. Donc on a une première partie comme cela. Voilà. Donc là, j'ai fait un tamponnage avec un embossage à chaud. Donc toujours avec la poudre e-zinc couleur or. Voilà. Donc c'est avec des tampons Toga que je vous avais montré hein, sur la précédente vidéo. Donc c'est marqué le plus beau jour de notre vie. Ici en haut, bien sûr. Et un petit couple de mariés en bas. Voilà. Donc que j'ai fait donc sur les 30 faire part bien sûr. Voilà. Et je trouve ça très très joli, elle est du plus bel effet. Donc ensuite ben, on ouvre, voilà. Et là donc c'est un petit cœur avec nos prénoms fait en doré qui m'ont été offerts par une copine de Facebook qui l'a fait avec sa machine, elle a une silhouette, je crois, je ne sais plus laquelle exactement. Donc, il m'a offert ses cœurs pour mettre sur mes faire-part. Donc, je les ai mis ici, à l'intérieur. Donc, je trouvais ça vraiment très sympa. Et donc, et après, il y a le texte que j'ai fait. Bon, là, bien sûr, que j'ai imprimé avec l'ordinateur. Voilà. Donc, le texte. Et mis comme ça. Alors ici donc là c'est collé, cette partie là est collée mais elle n'est pas collée en haut. Je vous explique pourquoi. Vous voyez, j'ai mis un petit papier. Alors pourquoi ce petit papier? C'est pour prévenir les invités parce que nous ici à la mairie de Villeneuve-d'Ascq, la mairie refuse complètement, c'est strictement interdit lors des mariages de jeter. Alors, je vais vous lire ce que j'ai écrit. Hein. La mairie du Villeneuve-d'Ascq n'autorise pas les jetés de pétales de fleurs, de riz, de confettis, etc.
dans la salle des mariages, dans les escaliers menant à la salle et sur le parvis de la mairie. Les pétards sont également interdits. Voilà, merci à tous. Donc c'est pour ça que j'ai fait, que je n'ai pas collé en haut pour pouvoir glisser ce petit mot en plus sur mon faire-part pour prévenir tous les invités et pas qu'il y ait de soucis le jour de mon mariage. Hein, puis qu'on se fasse discuter par la mairie parce qu'il y aurait eu un débordement à cause d'un lancer de riz ou de pétales ou d'un pétard, voilà. Donc voilà, bon, c'est discret et puis au moins bon, tout le monde le verra, tout le monde aura été prévenu. Et voilà. Comme ça, ben, au moins, hop, ils le tirent, ils le lisent et ils sont au courant. Donc voilà, mes petits faire-part. Donc là, je referai le nœud après. Je ne vous ai pas montré l'enveloppe par contre. Alors l'enveloppe, j'ai pas avec moi. Mais je vous la montrerai sur une prochaine vidéo. Donc sur l'enveloppe, sur le dessus de l'enveloppe, je vais mettre un tampon, deux tampons. Il va y avoir un tampon marqué invitation en noir et en dessous de invitation j'ai un tampon avec deux alliances fifi avec deux alliances qui vont être tamponnées également et embossées en poudre avec de la poudre embossage en or également. Voilà, ça désolé j'ai oublié de la préparer, mais elles sont pas faites mes enveloppes, j'ai juste fait un modèle mais je vous les montrerai sur une prochaine vidéo. Là je voulais vous montrer donc mes faire-part qui sont terminés, enfin, à part ceux-là, il me reste ouais, voyez, il me reste juste à coller l'intérieur. L'intérieur est terminé, hein, les embossages sont finis, je n'ai plus qu'à coller et à faire le petit nœud. Voilà, et ensuite je vais mettre tout ça sous enveloppe et je vais envoyer ça bientôt là dans une quinzaine de jours pour que tout le monde soit prévenu et puisse prendre ses dispositions pour le jour du mariage. Voilà. Bon, malgré que presque tout le monde est déjà prévenu oralement. Mais donc voilà. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous avez pensé donc de mon faire-part. Si les petits changements que j'ai fait dessus vous plaisent, hein, je vous remontre. Donc, comme je l'ai dit, en haut, j'ai fait plus petit, le papillon est en bas maintenant, et le ruban est beaucoup plus fin. Voilà. Donc, moi, ça, j'aime bien. Mon chouchou, elle les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et certaines copines de Facebook l'ont vu aussi, puisque je l'avais montré sur mon Facebook, et elles ont vraiment beaucoup aimé. Et puis bon, ça change, au moins c'est personnalisé, hein, mon image, et puis comme je voulais du bleu, au moins c'est dans mes couleurs, dans mes goûts, puisque moi j'aime les papillons, vous le savez, donc voilà. Alors, sur ces belles images, sur ces belles paroles, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais terminer de faire cette petite, où il m'en reste quoi, à peine 10, même pas. Hop là, je fais les petits papiers. Il m'en reste à peine 10 à coller. Après, je ferai les enveloppes. Et le plus long, ce sera encore, enfin le plus long, non. Le plus long, ça a été de faire les cartes. Mais le plus long, après, ce sera de noter les adresses sur les enveloppes. Et puis d'envoyer tout. Et après, quand le mariage sera terminé, il faudra que je pense aux cartes de remerciement. Voilà, mais là, bon, j'ai déjà ma petite idée, et puis ce sera beaucoup plus simple. Là, ce sera fait avec une photo. Mais j'ai déjà, je sais déjà ce que je vais faire. Voilà, là, ce sera après le mariage, donc j'ai encore le temps. Voilà. Ça veut dire que j'ai mes petits papiers qui veulent partir. Voilà. Et voilà, donc Fifi et moi, on vous fait des gros bisous. Fifi vous fait des grosses échouilles. Elle fait aussi des gros bisous à tous ses copains quatre pattes. Hein? Tu fais des gros bisous à tes copains quatre pattes sur YouTube? Oui?
y a ton fiancé, ton fiancé chez Coco. Hein? T'as un fiancé hein, chez Coco, oui. Coucou ma Coco, si tu passes par là. Allez, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et de nouvelles aventures. À bientôt, bisous bisous.